Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2017, année pendant laquelle j'espère que je trouverai enfin le bonheur parce que ma vie c'est vraiment de la merde. Actualité internationale pour commencer avec le guide suprême du Sansa Ouzbékistan du Nord qui a fait un discours à l'ONU en faveur de la paix entre les fans de Nintendo et ceux de Sega. Y'a du soleil et des nanas. Y'a du soleil et des nanas. Dans la dire là-dedans. Du soleil et des nanas. Daladir lalada! Adios! Amigos! Ah merde. Le chef de l'opposition à Nintendo, Quentin, 37 ans, vivant toujours chez ses parents, a d'ailleurs été assassiné par les milices rouges champignonniesques, une branche des services secrets de Nintendo, qui, rappelons-le, vient d'annexer le Luxembourg à son empire communiste en réponse à l'annexion de la Suisse par Gervais. Le petit Suisse. Marrant. Actualité musicale maintenant, Cunégonde sort son premier album, un album où elle revendique son émancipation récente. Roger, enfoiré, si je te retrouve, c'est avec ton bâton de berger que je vais t'enculer. Oh, et retrouver aussi ses reprises Disney. Retraité, la diarrhée. Toutes les 15 minutes j'ai envie de chier. Retraité. Une opposée, mon mari ne veut plus me baiser. Les symptômes par terre, et mes dents je les perds. Je tiendrai pas l'hiver. Ainsi va la vie, bientôt tout sera fini. C'est la fin du libre-échangisme avec les USA. Marc Dorcel se dit dégoûté par la politique anti-libertine de Monsieur Trump. L'entreprise ne compte cependant pas arrêter sa profonde collaboration. Mais putain, écrivez plus gros! Je vois pas, oh! Sa profonde collaboration avec la société américaine Brazzers. Intrigue et complot maintenant, après la découverte de la création de bombes antipersonnelles par Haribo, oui, ça nous a tous surpris, les cellules, les scandales, pardon, liés à des multinationales se multiplient, révélation, complot, rapport Jésus, notre expert va nous expliquer tout cela en détail. Salut mon enfoiré de tabernacle de charisme dans mon cul, ton père il fabrique des putains de guitares au Zimbabwe, ok? Et ouais mon gars, des putains de guitares, et ouais, guitares! Regardez tous ces champions, y'a rien qui vous saute aux yeux? Ils sont tous blanc. Et me parle pas du Shane Bolt, c'est un putain de blanc, il y a eu un putain de complot Illuminati, ok? Et si la marque Puma c'était qu'un putain de complot nazi? Déjà Puma si t'inverses les lettres et t'en changes 3, ça fait nazi! Si on relit les 3 putains de dernières villes où ils ont gagné avec des Puma, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça fait un putain de triangle! Pas le triangle des Illuminati, non, pas du tout! Un putain de triangle de flèches! Comme celle de Legolas qui est un putain d'Alfeldar! Soit un putain de blond aux yeux bleus. Et Hitler il prenait quoi? Les Aryens. Soit quoi? Des blonds aux yeux bleus. Bleus. Coïncidence? J'en sais rien mais je le crois pas. Regardez le logo d'énergie douce. Pareil un putain de puma. Complot. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, un truc d'encore plus gros, évidemment. En effet le puma est un félin. Ou plutôt un gros chat. Et Hitler il était commandé par quoi? Par son putain de chat mon gars. Après une audition par la cour pénale de l'ONU en 1955. Le chat n'a hélas pas voulu révéler qui était le cerveau de tout ça. Et si le puma n'était que le chef d'une armée intergalactique venue conquérir le monde? En effet, après la défaite du Troisième Reich, les pumas ils ont à peu près tous disparu, comme le monde ce schéma, regarde. Avant, beaucoup, maintenant, moins, ok? Sûrement pour échapper à la justice et relancer un plan de domination depuis quoi? Depuis la constellation du puma, bien sûr, découverte par les Mayas. Alors si même les Mayas ont essayé de nous prévenir, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. C'est la fin de ce journal et je vous emmerde tous. Retraité, la diarrhée. Toutes les 15 minutes j'ai envie de chier. Retraité, ménopausée. Mon mari ne veut plus me baiser.